Donc, pendant que le moteur chauffe, petite présentation du vol de ce soir, qui est un vol test. On part donc de Sarladôme, Rocamadour, voilà Livermont. Le but étant de vérifier que ça vole bien aussi sur Ivao. Apparemment, je suis bien reconnu. Est-ce que je suis en connexion? Ah, là, je suis en connexion. Ça sert à rien d'avoir une trace si je peux pas la suivre. Donc, globalement, on a quoi? Si c'est peut-être l'altimètre. Non, c'est quoi ça? Non, c'est l'accéléromètre. Alors, le taquis, il est là. Alors, ça, c'est le manifold pressure. Altimètre, d'accord. La bille. Le vario. Ok. Profondeur. Les ailerons. La direction. Bon, on va y aller tout doucement au roulage. Il est 21.00. Il n'y a rien pour le faire virer, c'est pas gagné d'avance déjà. Ok, alors on va faire simple pour ce premier vol d'essai. Alors soit il tourne pas, soit on arrive. Eh ben mon cochon. C'est clair que le moteur il aura eu le temps de chauffer là. Ok, faut y aller au frein sur celui-ci. Ah ouais, c'est ça, faut y aller au frein, pas au talonnier, au frein. On va lui vérifier la théorie tout de suite. Hein. Fox Mike Bravo, point d'arrêt. Alors là, j'ai même pas de quoi faire de vérification du moteur. Je connais pas la procédure. On va s'en passer.
Alors, les deux pieds sur le frein. Ok, donc lui, il ne bouge pas, il a mis ça comme ça. On va mettre du flaps. Eh ben, on est sur la 28, donc on va vers l'ouest. Il faut qu'on fasse un petit demi-tour. En sortie de terrain. Donne de Fox Golf Mike, Golf Alpha Mike, bravo, bonjour. Le Fox Mike Bravo sur la 28 pour un décollage. Alors, il n'y a pas trop de puissance. Tire de manche. Un peu plus de patates. Une partie, la bille est au centre. Sans pied. Fox Mike Bravo, montée initiale, on reporte vertical terrain pour une prise de cap vers l'est. Fox Mike Bravo, vertical LFDS pour une prise de cap vers l'est. Ah, c'est vrai qu'on peut rendre. Voilà. Pas y mettre trop de turbo là-dessus. Fox Mike Bravo, vertical pour la prise de cap vers l'est. Ok. J'arrive à haut, j'ai décollé. À 50% de la puissance, on va pas aller au-delà. Et on va essayer de maintenir le vol horizontal. Sur le bon cap, ça sera déjà bien. Et on va très au sud. À l'extérieur, je regarde un petit peu comment réagit le bazar. Bon, on va aller à Gourdon. Et ensuite, on prendra un cap nord-ouest.
Alors là, c'est ce qui s'appelle un cap est. En tout cas, pour ce qui est de l'altitude, c'est à peu près ça. Alors, je suis à 2700 tours. Bon. Vraiment envie d'aller à gauche. Donc là, j'ai un cap 40. Comment ça se détermine, 440 là-dessus. Ça va vite, ou la vitesse, je sais pas. Ah si, oh putain. Ça doit être dans les reliefs. Route. Ok, là pour un cap est. J'allais dire que je garde ce cap et j'y vais droit dessus. J'y vais droit dessus et on y est déjà dessus. Bon, on va essayer d'évoluer. Tox Golf Mike Bravo en approche de requin manu. Tox Golf Mike Bravo. Qu'est-ce qu'il raconte, Tox Golf? N'importe quoi. Tox Mike Bravo, vertical, recommandé. Bon, on va essayer de l'évolution. Il y a une sacrée tendance à...
manquait quelque chose là. Alors on a évité la vrille, c'est déjà pas mal. Drama. Voilà, chez le monde. Donc, quand je vois tes mines, je pique sur le sol.
Fernand de Fox Golf Alpha Mike, bravo, bonjour, en visuel d'installation pour un couplet vertical 2800 pieds estimé dans le budget. Vertical dans 30 secondes, pardon. On va faire un beau rectangle. On va aller là-bas à gauche. Restant à demi. Rien de moins garanti. À 150 mètres, encore, ok, bien, on est en vent arrière, je sais pas où est la pompe, donc je la mets pas. Par contre, on va baisser la vitesse. Un peu de volée pour commencer à augmenter la traînée. À gauche lentement pour aller au nord. Quel terrain est là-bas? Cap à l'est. C'est pas gagné d'avance pour atterrir là. Ok, remis de gaz. Je cap à l'ouest. Je sais pas où est le terrain. Ah purée, j'étais dans l'axe. Presque. On va recommencer. Hivernon Fox Mike Bravo, je vais retourner faire un tour de piste. Eh ben c'est faux le clou. Bon allez, le sud. Billes au centre, pareil au positif, on va essayer de monter à 2500 pieds,
Le sud est là, on continue à virer à l'est. Ok, donc il faudra que je fasse un demi-tour en fait. Je vais prendre l'ouverture. La montre indique 27, 28 même. À 150, pas. Les RPM qui bougent pas. Si j'arrive à me poser, ça sera très bien. Alors, on augmente l'assiette. On monte, ouais, à mi-pied, ça fait pas faire le mal. À mi-pied, cap à l'est. Une minute d'éloignement. Ok. Nord-est, la vitesse chute. Au nord, terrain là-bas, pareil. Ok, là-bas. Continue à virer, je réduis tout, je maintiens l'altitude. Bon, un cran de volée, deux crans de volée. Ok, on est sur l'axe presque. La vitesse. Patate, je m'enfonce. Deuxième cran, 2200 pieds. À ce rythme-là, c'est sûr, j'y arrive pas. Hop. J'ai visuel sur le terrain. Hivernon Fox Mike Bravo en longue finale sur la 28 pour un complet. Dans le niveau, je sais pas si c'est bien, mais je suis dans l'axe et je suis sur la pente. Un cran de volée, pas de tombe en dessous du dôme, je pense. Encore un cran de volée, je sais pas si le train est sorti. Je dirais que oui, je suis dans l'axe, mon petit pas. Ok, tous les volets. Je réduis tout, je sais pas ce que. Et je freine lentement. Waouh, je me suis posé. C'est déjà pas trop mal. Ok. Alors, analyse.
vitesse 120 nœuds, j'étais à quelqu'un, je sais pas, 200 watts, 293. Ok. Bon, ben, je crois que le test va s'arrêter là. Ce qui est important, finalement, c'est de s'être posé, non? Hivernant, Fox Mike Bravo, je libère la piste. À la piste, hein, j'ai pas dit où j'allais. Hivernon Fox Mike Bravo, piste 28 dégagée. Là, c'est pas tous les jours qu'on vient se poser ici. Hein. Hivernon, Fox, Mike, bravo pour toute l'écoute. Au revoir, bonne fin de journée. Je sais même pas comment faire pour l'arrêter. Alors lock, je ne sais pas ce qui est verrouillé, mais un truc. Water injection. Ah si, tiens, les RPM ont fini par baisser. Un truc qui est verrouillé, mais c'est pas ce que c'est. Ok, bon, on va en rester là. Bye bye.